Alors aujourd'hui on se retrouve sur Cookie. Pourquoi? Alors parce que c'est pas moi qui décide. Tout simplement, le truc de c'est mort là, la roue là. Bah elle a décidé de tout réinitialiser, du coup il n'y a plus de niveau. Et vu que je sais plus ce qu'il y avait, bah écoutez, moi j'ai pris le niveau qu'il y avait dans les commentaires de la dernière truc et puis bah c'était Cookie hein. Bon. Alors Cookie, qu'est-ce que c'est? Bah c'est dur. Mais oui, c'est clair. Ouais voilà. C'est difficile. Que dire? C'est un bon niveau. Alors, on va vite voir pourquoi. Parce que, en fait, il faut bien se dire que, comparé aux autres niveaux qu'il y a dans le top là, d'ailleurs, les niveaux comme Stalker House, il y a quoi, Silent Club Step, tout ça, ouais, bon, c'est des niveaux de mort, quoi, tu vois. On va pas se mentir. Par contre, mais attends, mais t'as pris une calotte, toi? Eh, dégage! Et hop! Oula, mais attends, mais t'as pris une calotte de c'est mort, toi, mon copain? Attends. Dégage! Je vais une calotte, tu vas sortir directement, je te le dis. Que tu aies la bonne idée d'aller dans mon lit, tu vas voir, tu vas sortir très très vite. Je te le dis direct. Moi je te le dis, moi je t'en ai une, tu t'en parfait. Ah! Et hop! Toi, tu vas t'en prendre une. Dégage! Bonjour! Ah, c'est pas possible, la sale race de game de... Parlons peu, parlons mal. Alors! Donc, on est encore au pré-drop, hein. C'est dur. Oui. Ouais, écoutez, vous savez, je bats les couilles, je vais mettre le speed hack là. Regardez. Regardez. Regardez, je triche au jeu vidéo. Oh non! En vrai, le gameplay de ce niveau, il est bien réfléchi, vous voyez là? Ça représente bien la musique. C'est pas mal. C'est stylé, regardez ça, bim bim. Avec le Monster Club Step là, trop stylé. C'est pas du Tidal Wave ça, hein. Ah, mon copain. La transition. Vous avez vu le bug de 2.2 qui fait que la dashboard va prendre des 180 et des bip. Ah, il y a des pentes. Ah, donc t'es. En gros, tu peux pas mourir là. Oh, c'est mal fait. Moi, je pensais qu'il fallait bien viser, moi. Évidemment, faut dire que ça va bien plus vite que ça. Hein. Mais, voilà. Là, c'est du x4, x3. Là, c'est du x3. Là, on est. Ah, rebond sur une pente comme ça. Intéressant. Ça va, bah, ça a pas l'air bugué. Parce que, de toute façon, t'arrives toujours à peu près de la même façon. Donc, ça arrive à bugger. Ça, c'est que t'es un expert. Alors, ça peut être aussi. Là, t'arrives comme ça. Bim. Into bim. Bim. Ce chip, il est bien là. Oh, il est stylé, ce chip là. Oh là là. Ouais, ce chip, en vrai, il est stylé. Hein. Avec les particules qui arrivent dans le... En fait, je pense qu'il n'y aura même pas d'analyse en profondeur parce qu'en fait, elle va se faire en même temps que le niveau, tu vois. En fait, je crève tellement souvent que, en fait, on a le temps de tout analyser en même temps. La vidéo, elle va faire comme les autres un petit moment parce que la pratique va être longue. Oh, cette fois, elle est trop satisfaisante cette fois. Par contre, c'est pas pour rien que c'est top, je sais plus combien. C'est dans le top 5, il me semble. Hein. Hop, ta gueule. Je crois. Non. C'est quand même rare d'avoir un gameplay de cette qualité quand même. Hein. Alors même pour des extrêmes démons normaux, tu vois, c'est-à-dire qui sont pas durs, enfin pas durs, qui sont moins durs, parce que pas durs, bon, ça reste des extrêmes. Hein. Mais bon, sauf exception évidemment. Là, pour avoir un gameplay de cette qualité, c'est même des extrêmes démons lambda qui ne font pas ça. Arrête, faut timer là comme ça. En fait, t'as tout qui est réfléchi. L'avantage de faire des trucs qui sont difficiles, c'est qu'en fait, t'as vraiment tout qui est réfléchi. Alors, chaque clic est réfléchi, parce que de toute façon, t'as pas le choix. Hein, donc voilà. Oula, mais toi, je pèse une galotte, t'as voir là. D'abord, qui c'est qui va avoir les joues rouges là? Boy. Guignol! Je vais pas arnaquer. Bref, alors, on va pas arnaquer parce que ça y est. Donc, oui, il y a plein de niveaux que de toute façon ils réfléchissent pas autant pour faire le gameplay. Parce que là, l'avantage, lui, comme je disais, voilà, c'est dur. C'est dur, donc chaque clic, tu peux le faire comme tu veux. Parce que de toute façon, faut que ce soit dur. Donc, tu peux obliger dans tous les cas, c'est comme ce que je disais dans Tidal Wave. Voilà. Plus c'est dur, plus tu peux restreindre et empêcher des skips. Parce que de toute façon c'est dur, les pics sont très serrés, tout ça, donc voilà. Bon, si Dalloway va échouer, évidemment. Mais bon. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Dalloway, hein. Parce que sinon je peux recommencer, hein. Oh, c'est stylé ça. Oh, c'est stylé ça. Oh, c'était trop stylé. Mais voilà. On arrive dans la partie où la musique est un peu plus calme. Elle est moins un piou piou. Oula, c'est quoi ce strat fight de bâtard? Vous avez vu le timing d'orbe là? Incroyable. L'orbe elle est en dessous du bloc carrément et tu dois la prendre par les dessus. Oh mais toi! Non mais toi c'est. Non mais toi, 0-1. Calme-toi ma petite. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Après 477 attempts, 0-1%. Ouais j'ai eu de la chance en vrai. Ah faut late autant que ça et attaquer comme ça là? Ah mais c'est un faux bloc! Ah, ah mais c'est une fausse pique! Ah. Ah mais d'accord. Bon, on me dit pas tout moi. Ah mais c'est une fausse transition. Ah mais c'est une transition, t'as pas besoin d'appuyer. Ah mais moi on me dit pas tout moi aussi, vous savez. Oula. La téléportation un peu étrange mon copain.
faire quoi là? Ah, je pense pas arnaquer. On commence à arnaquer, ça tourne mal. Voilà ce que j'ai fait là, j'ai tout ce que j'ai passé là, c'était fou. Bonjour. Ça je crois que c'est pas possible. Hein. Ah là là, c'est dommage. C'est dommage hein. Hop ta gueule. Ah si, attends. Mais comment? Mais par quel miracle? Ouais, c'est saillant ce truc là. Trop fort, moi je suis trop fort au jeu vidéo, c'est ça que je savais pas. Oula, oui, il y a des failles cornes un peu partout là. Oula, ouais, ok, ouais, faut pas les prendre. Ah là, si, je suppose. De toute façon, on n'a pas le choix là. Quoique, en vrai, je dis ça, mais. Ah oui, voilà, ça fallait pas les prendre. Hein. Fallait pas les prendre, c'est bien ce que je disais. En tout cas, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que le niveau en fait il est fantastique. Après, c'est tout le temps la même chose. Donc, si on dit quelque chose pour quelque part, ça sera forcément vrai. Enfin, presque forcément vrai pour tout le reste du niveau quoi. Donc, le niveau est très stylé. Que ce soit au niveau de la décoration, c'est réussi, hein, ça y a pas de souci. C'est un jump extended, une double spike extended, c'est ce que je viens de passer. Voilà, donc après le gameplay, franchement, si je voulais que je vous dise. En fait, ce niveau avec Tidal Wave, bah, ce sont deux parfaits antipodes. Ah, mais non, faut light comme ça, ok. Ok. T'as rien à dire. Et hop ta gueule, je me dis, cette humeur là, là, hop, voilà. Hop ta gueule. Bref, il y a juste la screen que je comprends pas. Ah, GG. Ouais. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur un niveau comme ça? Non mais, ah, regarde, juste exemple avec Tidal Wave. Tidal Wave, les grandes spikes c'était de la merde, c'était tous les mêmes. Bon, regardez là. Alors oui, bah non, même pas. C'est 1 sur 2 là. Vous avez vu là, c'est 1 sur 2. Lui il en a 2 là, des arcs de cercle ici, lui il en a 3. En plus là il y a des remontées dedans, là il y en a pas, il y a des couleurs différentes. Il y a des grandes spikes sur des grandes spikes. Lui c'est travaillé, vous voyez. Tandis que Tidal Wave, bon. C'est la même chose en boucle. Après, évidemment, il y a du copy-paste hein, dans les grands spikes. Ça, c'est logique. Mais Tidal Wave, ça se voit. Alors que là, ça se voit beaucoup moins. Putain, le Monster Club Shop, il est très stylé par contre. Ah, celui-là aussi. Putain. Hop, ta gueule. Et puis là, là un grand spike encore différent. En celui-là, il était copy-paste par contre, ça se voit. Ah, et encore. Il la rotate. Encore. Ah, quoi que non, même pas, regardez. Lui, il est différent. Ouais, les pics elles sont différemment placées. Ouais, non mais c'est même pas les mêmes en plus, ouais d'accord. Donc vous voyez ce mec il fait pas les choses à... Oula. Si vous faites un niveau, inspirez-vous de ça, hein, si vous faites un niveau... Hein. Alors pas, je veux dire pas de la déco, mais je veux dire de la qualité du travail. Après si vous voulez vous inspirer de la déco, si vous voulez, mais bon. J'aime juste pas la dernière triple pic. Enfin, j'aime pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas original je trouve, j'aurais fait un truc un peu différent, vous voyez. J'aurais fait un end screen de bâtard en plus, moi. Mais voilà, très très bon niveau, franchement, je vais pas vous conseiller de le jouer parce que personne n'aura le niveau ici, mais... Sauf s'il y a quelqu'un d'aléatoire qui passe et puis qui se dit, putain, mais moi j'ai le niveau, ta gueule, tant mieux, moi je l'ai pas. Moi je vous dis, à la prochaine fois, n'hésitez pas à reproposer des niveaux dans les commentaires, parce que bon là, cette fois-ci, la picker wheel, elle m'a doumed, faut m'aider, voilà. Et puis likez si vous aimez ce niveau, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vrais niveaux dans les... Si vous voulez voir d'autres bons niveaux dans les épisodes, abonnez-vous. Voilà. Allez, à plus. Déjà vous, I just been...